Impa, magistrate adjointe, prête au combat. Comme c'est appétissant, délicieux. Oui, en effet. Pendant que les quatre prodiges s'entraînaient à piloter leur créature divine, Prua et son équipe de chercheurs, experts en reliques, étudiaient la tour qui était soudainement apparue dans la plaine d'Hyrule. Ils découvrirent que la tour Shaika, telle qu'ils l'avaient baptisée, n'était pas unique en son genre. D'autres tours similaires étaient enfouies profondément à travers tout le royaume. Et leur émergence semblait contrôlée par un dispositif à l'intérieur même du château d'Hyrule. Les chercheurs aboutirent à la conclusion que le dispositif de contrôle des tours Shaika ne pouvait être activé qu'au moyen de la tablette Shaika. Zelda décida donc d'aller étudier de plus près ces tours avec Prua et les prodiges. Encore à étudier ces reliques. Père. Pensez-vous avoir le temps de vous préoccuper de telles futilités? Eh bien... Ceci est une relique que j'avais trouvée un jour où j'étais sortie avec Mère, il y a bien longtemps. Je m'en souviens encore. Mère et moi avons beaucoup discuté à son sujet. Nous pensions qu'elle renfermait sûrement un pouvoir spécial. Mais en fin de compte, je n'ai jamais réussi à déterminer son utilité. Croyez-moi, Père, plus nous en apprendrons sur le fonctionnement de ces reliques, meilleures seront nos chances face au fléau. Certes. Mais vous oubliez que là n'est pas du tout votre rôle. Je n'ai nullement l'intention d'abandonner mon entraînement. Mais... j'essaie seulement de servir le royaume au mieux, de me rendre utile autant qu'il est possible. J'estime, pour ma part, que vous vous dérobez à votre devoir. Je vais fermer les yeux pour cette fois. Mais j'espère m'être bien fait comprendre. S'il restaure ces machins-choses, Shaika, qu'est-ce qui se passera au juste? Il semble que cela leur révélerait instantanément l'emplacement et la nature de nos forces. C'est sûr que ça nous arrangerait pas s'ils savaient où nous trouver. Des mesures ont été prises. Le moment est venu de travailler un peu pour moi. Un peu de respect, Supa. C'est un ordre du Seigneur Ganon. Oh, pardonnez-moi. Un gardien abritant le fléau Ganon, avec une telle merveille en ma possession, j'aurai le monde entier dans le creux de ma main. Ça paraît incroyable. Peut-on vraiment contrôler le pouvoir du fléau Ganon aussi facilement?
Dans ce cas, autant continuer sur notre lancée. Allons restaurer toutes les autres tours. Après avoir réussi à réactiver la tour de la plaine, Link et ses compagnons se mirent sur les instructions de Prua à restaurer les unes après les autres les tours qui étaient apparues aux quatre coins du royaume. Mais l'ennemi n'avait pas l'intention de leur laisser le champ libre. En arrivant à la dernière tour, celle d'Akala, Link et ses compagnons allaient découvrir que le gang des Iga les attendait de pied ferme. Quoi ? Par là.
Thank you.
Regardez comme la vue est belle. C'est magnifique. Pourquoi ? As-tu découvert quelque chose ? Ah, je vois. En connectant la tablette Sheikah au terminal... Pourquoi ? Votre Altesse, on dirait que cette tour enferme une incroyable puissance. Il semble qu'à l'origine, ces tours Sheikah étaient des édifices censés détecter la résurrection du fléau. Au moyen du terminal, la tour transmet des informations sur son environnement à la tablette Sheikah. On peut ainsi voir en un instant toute la géographie d'Hyrule et les mouvements des monstres. Ça veut dire que nous pourrons établir notre stratégie tout en suivant les déplacements de l'ennemi? Exactement! Bon, plutôt qu'une longue explication... Le mieux est peut-être de passer à la pratique.